Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne. Donc ça va être une petite série, je sais pas encore vraiment comment que je vais l'appeler, mais enfin non, une assez grande série je pense, parce qu'on a l'ordre en limite d'un point nickel. Donc déjà si vous. Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, mais bon, normalement même si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez pas c'est quoi cette map. C'est la même graine génératrice de map que. De ma première survie, vous savez, c'est avec le château, j'avais déjà fait un épisode dessus. Donc je vais refaire le même truc, mais cette fois-ci ça va pas être un château, enfin je pense pas, et ça va être du créatif, donc des maisons. Créatif parce que j'en avais un peu marre du survie, même si au les cubes je ferai des vidéos dessus, hein, pas de problème. Mais aussi ouvrir une petite nouvelle série en créatif, pas ouvrir trop de séries à la fois, mais encore une autre série, je sais très bien avec qui, qui je vais faire avec Fox je pense normalement, et puis on la fera quand celle-ci, enfin quand au moins une des deux sera terminée. Donc là c'était vite fait parce que je vais pas créer là, je vais pas commencer à faire des constructions comme ça, moi je suis pas du tout comme ça, je terraforme. Moi c'est la première chose que je fais, c'est terraformer, et une fois que la map est terraformée, pour moi elle est bien terraformée, là je peux commencer à construire. Et là pour moi ça c'est la map que je viens de la créer à l'instant, donc il n'y a rien de terraformé, c'est horrible pour l'instant. Regardez les montagnes, c'est pas une map ça pour moi. Donc ce que je vais faire, je pense, vu que j'aime pas trop la nuance, déjà je vais aplatir, je vais retirer toute l'herbe, ça je vais le remplacer par de la terre. J'ai énormément de travail, mais je voulais vraiment vous faire un petit truc juste avant, pour que vous voyez avant, après quoi, ce que ça va donner un peu. Parce qu'il va y avoir du taf. Ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense aussi remplacer, ça je pense que je vais le faire, remplacer toute la stone par de la terre. Ouais, je vais faire ça aussi parce que je trouve que j'ai regardé plein de timelapse, tout ça, des gars qui faisaient des gros trucs et tout dans des montagnes de ouf. Et à chaque fois, il n'y avait pas de stone et de terre, c'était soit que de la stone avec genre de la neige au-dessus et puis genre des grosses montagnes de ouf. Ou soit c'était que des montagnes en terre. Pour ma part, moi je vais opter pour que des montagnes en terre. C'est pour ça que je vais remplacer toute la stone par de la terre. Je voulais retirer. Voilà ça. Mob spawning. Donc ça je vais reboucher, je vais refaire plein de trucs, je vais casser le village PNJ, je vais pas trop m'étendre loin, principalement ça va être dans les montagnes. What? C'est quoi là? Putain, oh la vache. Quand je regarde ça, puis l'autre map, il y a eu un putain de boulot de fait en vrai. Parce qu'elle ressemble pas du tout à la map avec le château. Donc je vais terraformer tranquillement, puis on se retrouvera juste après. Donc je vais avoir beaucoup de boulot, surtout que je suis tout seul. Bon voilà. À tout à l'heure. Et puis on se retrouve après 25 piges. Non, sérieusement, j'ai dû terraformer pendant à peu près 6 heures. Ouais, 6 heures, bah là on est le lendemain. Hein. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà un peu le travail, franchement ça a bien changé. Je sais plus comment c'était avant. De toute façon, vous allez vous rendre compte parce qu'avec les dips, vous allez voir avant, après. Donc voilà un peu le travail, c'est loin d'être fini. Hein. Ça, j'ai l'intention de faire là une zone plate à peu près jusqu'à... Ici, faut que ce soit la zone plate et tout le désert, hein, rasé, zone plate, complètement. J'ai encore plein de cobble à changer par de la terre. Et j'ai fait juste la phase de devant, tout derrière les montagnes, c'est pas encore fait, hein, regardez. Donc, tout ça, là, faut que je fasse, tout le biome, faut que je rase tous les arbres, là, ça va, il y a encore de la cobble. Il y a encore de la stone, je veux dire, là, il y en a partout encore. Ça va aller jusque ici, je pense que ça, je ferai sauter la TNT, je sais pas, ouais, je pense. Pour regarder juste la zone, là. Bref, après je sais pas si je vais venir refaire le village jusqu'ici, mais au moins faire la phase de devant. Il y a encore plein de trucs qui volent ici, je sais pas pourquoi. Il y a un truc là qui volait, je l'ai défoncé. Bon, j'ai un peu niqué le bas aussi en même temps parce que je casse tout le TNT. Donc ça a bien changé en tout cas par rapport à tout à l'heure. Hop là, pourquoi il manque un cube là. Hop, donc voilà. Donc je voulais qu'on commence à faire une maison, mais sauf que j'ai rien oublié un petit truc en fait. Là, en fait ici, là ça va être un style de mur, et ici là va y avoir un genre de petit log de là qui part de là jusqu'à là. Tout là à l'intérieur où c'est que je sais pas, sera un petit log comme ça. Là sur le côté ce sera pas de la terre. C'est que là il y aura, je veux que ce soit une maison. Là il y a un sorte de truc en demi-cercle qui avance jusque je sais pas, ici peut-être,
et qui lâche une source d'eau ici dans une autre, ben, dans une cascade, enfin dans un étang ici, et que l'étang il jette dans l'étang en dessous, tout simplement. Ça donnera un petit style et tout. Donc je pense pas utiliser de pack de texture aussi, j'avais pensé, je sais pas si je voulais déjà du poids ça. Et puis bah voilà, du coup je voulais construire quelque chose, quoi, une maison. Mais je sais pas encore tout construire, puis ça je pense que je peux l'élargir en fait le lac. Parce que je prends, et pour moi il est pas assez grand, hein, je trouve. C'est juste. Pire, je les ferai là les maisons comme je veux faire. Vu que là c'est assez large. Je réfléchis encore un peu parce que j'ai pas encore trop d'idées. Là je ferai le port ici. Tous les quais ils seront là. Avec les grandes maisons derrière. Ouais, je pense que ça peut. Ça, ouais, c'est bon, genre d'idée, ça se peut donner. Ici. Là en fait je voulais faire une grande cathédrale ici. Là. Devant la cathédrale. Un marché peut-être ou des petites maisons ici, ça aurait été pas mal de faire le moulin ici, hein. Vous en pensez, un gros big moulin ici, je sais pas, après peut-être que aussi des mais ou un le moulin là puis des maisons ici et là blindé de blé partout, tout là du blé, enfin après ça fera un peu de blé je pense, un peu trop, donc je pense quand même à peu près stopper ici puis ici refaire des maisons là. Et ce que je voulais faire par contre c'était aplatir quand même les couches de montagne parce que elles sont trop hautes, donc genre les aplatir jusque là. Je me rappelle sur le serveur bah, avec le château c'était 102 qu'on avait mis, donc 109, 108, 100. On va pas mettre 102, mais sinon sur le serveur avec le château c'était, j'avais tout mis à cette hauteur là je crois. Attends, non, 102 ou 112? Non, non, c'était 102, ouais, c'était bien 102. Ouais. 102 ou 101 même. Ouais, si, c'était 102. On avait mis tous ces montagnes-là à 102 sur notre serveur. Tout. Tous ceux-là, ils étaient à 102. Donc là, on fera peut-être pareil, on les mettra tous à la même hauteur, au moins. Après, ce sera pas forcément la hauteur, je sais pas à quelle hauteur ce sera. Mais je pense tous les faire à la même hauteur. Là, faire un pont qui rejoint... Ouais, même le pont, il partait de là, puis il arrivait là. Donc là on a quelle couche, 104, ouais, ouais si c'était ça c'est bon, je me rappelle 102. Je pense par contre utiliser le même type de pont parce que comment je le kiffe le pont que j'avais fait, je sais pas pourquoi, pourtant c'est un pont que j'avais inventé, laisse tomber, mais je l'aimais bien. Donc là, ce que je vais faire, bah, je sais pas en fait ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire, j'aurais bien... Est-ce que au pire ce qu'on peut faire, ça, je l'aurais continué. Hop, ça c'est juste des repères pour moi. On va même mettre de ça. Hop, on va vite fait casser tout ça. Et puis, qu'est-ce que... J'aurais bien commencé en fait les maisons par ici, mais vu que c'est pas terraformé, puis j'ai encore un peu de la flemme de terraformer parce qu'avec tout ce que je viens de faire, il y avait peut-être il y avait deux gars qui sont venus m'aider, des potes à moi puis un abonné. Hop là, on va juste mettre ça un peu partout pour que ça se répande. Pour un peu de temps. De toute façon, tant qu'on fasse des constructions. Hop. Donc mais si nous voilà. J'aurais bien en fait tout de suite mis tous les montagnes à la même hauteur pour comme ça que je sois tranquille par la suite. Donc on va se définir tout de suite une hauteur. Hein. Je voulais check vite fait sur l'autre serveur c'était combien, mais d'après mes sources c'est 102. Hein. Donc je reviens, je vais check et on se retrouve tout de suite. Ouais donc la hauteur, bah la hauteur c'est bien 102, regardez. On est à 102.
Donc je vais une petite ellipse, là ça a rien, strictement rien à voir, mais je voulais juste vous faire voir, c'était le serveur d'un pote à moi. Regardez un peu le... Je, vite fait, hein, c'est vraiment vite fait, hein, je vais vous faire un tour vite fait. Regardez un peu le serveur qu'il a, c'est première fois que, enfin, pour moi, c'est un bon, très bon joueur Minecraft console, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est lui, Général Zahedin. Bon, c'est pas un arabe, je vous rassure. Hein. Mais franchement, il est vraiment pas mal son serveur. Regardez le niveau de détail qu'il y a dans ses constructions. Donc je suis passé vite fait sur son serveur, j'ai vu qu'il était co. On joue assez, bah, enfin, on joue un peu souvent ensemble. Mais, enfin, je vais surtout dans ses parties, on parle, tout ça. Il est cool comme gars. Et je l'ai vite fait passer sur, sur ce serveur. Et c'est parce que c'est un peu le même style que je voulais faire en créatif. C'est genre en fait tout collé comme lui il a fait. Regardez. Et ça fait plein de petits chemins comme ça qui passent genre bah, dans, entre les maisons. Quand je vous dis qu'il a vraiment mis une... partout, il veut vraiment pas de place, genre attendez, je crois que c'est ici, regardez, là il y a un petit espace quoi, moi j'aurais mis de l'herbe terminé. Lui, je sais pas, il a cherché à mettre de l'eau, des trucs, franchement il est balèze, il a du level et tout. Bon après quand moi je trouve qu'il est bon tout ça. Bon après le problème, voilà quoi, c'est toujours le même, c'est que c'est du créatif et puis avec du en créatif c'est sûr c'est moins difficile qu'en survie. Ça c'est une chose logique. Parce que moi aussi, hein, bah, on verra bien ma map créative comment elle évoluera, ça je sais pas c'est quoi sa maison là qui fait ça. Bon, mais moi, pour moi faire son survie, c'est possible hein, clairement, mais je me ferais pas chier à faire autant de détails, je regardais là sur l'hôtel de ville, ils sont vraiment stylés. Hein. Il a vraiment cherché à mettre énormément de détails, mais c'est pas pour moi. Donc je retourne sur ma map, je continue à travailler, et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve après des très... longues heures, mais des très longues heures, il y a peut-être 4 jours qui s'est écoulé entre temps, je sais plus quand est-ce que j'ai fait un épisode, mais franchement ça remonte. Donc je vous fais voir le résultat, c'est pas encore fini, mais les gars, il y a un putain de boulot honnêtement. Donc faut que je vais jusqu'à là-haut, hein. Je commence à la TNT, j'ai fini, et là je suis en train de... J'ai fait toute la zone ici, franchement, il y avait un putain de boulot. Hein. Surtout que j'étais tout seul quasiment tout faire, hein. Il n'y a jamais eu personne qui m'a aidé, à part là il y avait Killzone qui était passé, il m'avait bien aidé. J'ai fait ça là-haut, c'était parce que vu que je stream en permanence, hein, comme je suis tout seul, je ne sais pas quoi faire, je parle pas, je stream. Et puis ça c'est quand ceux qui sont sur live, ben, comme ça s'ils le voient et puis ils veulent aller check ma chaîne YouTube ou quoi. Mais bon derrière j'ai fait un truc mais j'aime pas, je le changerai sûrement. Au début je voulais faire Kangri comme ça. Je pense que ça aurait fait mieux en fait. Donc je pense le changer puis remettre Kangri. Donc sinon on va pouvoir enfin commencer à faire une construction. Donc je sais pas commencer par quoi. Soit on commence. Bah, déjà je vais vous expliquer un peu comment que ça va se passer. Ici là il va y avoir une maison. Je sais pas encore quoi mais il va y avoir une maison. Là ici, de là à peu près, bah, du bord là, hein, jusqu'à ici. Ouais, jusqu'à ici ça me paraît bien. Ça va être des maisons identiques. Ça va, je vais essayer de genre faire 4 maisons les mêmes. Qui vont venir bordure dans l'eau, hein, donc à peu près jusqu'ici quoi. Il y aura une bordure. Parce que j'ai pas mal réfléchi sur un peu tout ce que je vais faire. Ici, grande place, une place de marché. Avec encore des maisons qui au bord de l'eau, mais cette fois-ci ils vont pas aller dans l'eau. Là-haut, un puits, comme je vous ai dit, avec une cascade qui tombe là. Ici, une cathédrale immense, en comme ça. Là-haut, plein de blindés de maisons autour, là, derrière, là-haut, derrière, il y a encore des maisons. Ici, là, je pense faire le moulin, là, tout autour, enfin, tout là, ce qui est en bas, rempli de blé, c'est pour ça que j'ai fait une partie surélevée. Parce qu'au début, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais continuer à surélever ça, genre là, je l'ai monté de 4 couches. Je voulais continuer à surélever pour faire une géante montagne, mais je me suis dit, non, ça sert à rien. Donc, si vous regardez, là, en dessous, c'est creux, hein, c'est moi qui a tout fait. Ça a pris quelques temps. Ici peut-être faire hein, une genre de tour pour faire un petit phare ou quoi, je sais pas. Et je pense honnêtement ce que je voulais aplatir toutes les montagnes. Regardez, j'avais commencé ici, normalement l'ellipse c'était pour ça. Hein. Mais j'ai joué au con, j'aurais pas dû faire ça. Hein. Là j'ai tout niqué. Hein. Donc je le referai. Et je vais pas faire ça en fait tout compte fait. Je vais plutôt. En fait, ça va faire une ville basse. Ici, et à, enfin, non, voici. Ça va faire une ville basse. Et tout autour, là, des montagnes, sur les montagnes, il y aura genre une maison, des maisons, en fait, qui chevauchent les montagnes, mais je pense pas que je m'enfoncerai derrière la montagne. Où c'est que je vais m'enfoncer? Je pense c'est par ici. Là, faire un chemin, ensuite, qui descend là. Et re-aplatir encore toute la zone ici, et faire continuer à faire des maisons ici, ça pourrait me paraître pas mal. Par contre, ici, ce que je voulais faire, c'est aller jusqu'à la couche maximale et faire un grand carré de verre, juste pour...
le biome ici, hein, pour qu'il y ait de glace, après je retire la glace, tout ça et tout. Ça pourrait faire un truc assez sympa. Et après, peut-être, hein, après, mais je pense pas, hein, en même temps, je pense pas. M'enfoncer dans la montagne, par là, tout, parce que regardez, c'est pas terraformé. Vu le temps de terraforming qui s'est passé, mais je vous jure, vous imaginez même pas, surtout tout seul, ça met un tas de temps. Donc je vous dis, Killzone qui m'a bien aidé pour casser le désert. Et encore, mais sinon, j'ai tout fait, moi, tout, de A à Z. Il y a eu du temps qui s'est écoulé, mais vous imaginez même pas. Et c'est loin d'être fini. Là, ça c'est presque fini, là, il faut que je casse encore tout ça, que je rebouche ça. Bref, on va pas trop tarder. Donc par contre, je sais pas quoi faire si on commence par les 4 maisons, ou si on fait le moulin. Non, vous savez quoi, on va commencer par les maisons. Puis après, l'épisode 2, on fera sûrement le moulin. 3, le muraille. Bref, j'ai quelques idées déjà. Donc, ça, on va le mettre là. Ça, on s'en tape. On va prendre du matos. J'ai déjà été créé la maison créative, hein, sur notre map. Hein, je sais très bien quoi faire. Donc, ça va être 4 mêmes maisons, comme je vous ai dit à peu près. Mais il y en aura qui seront plus avancées, plus reculées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. Et assez collé, pas trop espacé. Donc. Je sais pas comment faire. Peut-être comme ça. Là, ça va pas être la maison, ça. Ça va être un ponton, en fait. Une, deux. Attendez, une, deux, trois. Quatre. Une, deux, trois. 4. On va commencer à faire de la construction. 3, 4. En fait, c'était pas trop ça que je voulais faire. Enfin, je modifie après. Hop, hop. Hop, hop. Faire ça tout de suite. Je vais mettre des boutons à chaque fois, hein, sur toutes mes maisons, ça il y aura des boutons. Que ce soit clair. Ici là, je vois bien. Merde, les charges, j'ai dans mon inventaire, merde. Des petits trucs comme ça. Parce que là, il va y avoir. Faudrait laisser passer l'eau en dessous. Et là, par au-dessus, peut-être des escaliers comme ça. Ça, on est en créative, hein, donc sur le bon, on peut y aller. Hein. Je m'en tape. Hein. Vous inquiétez pas, mes maisons en bois, elles vont être bien garnies. Enfin, surtout en bûche, quoi. C'est ça qui coûte le plus cher. Ensuite, par contre, je reviens. On fait ça. Parce que moi, il faut que ma map rentre bien la nuit. La nuit, c'est stylé. Si je place bien des torches, la glowstone, tout ça, ça peut rendre vachement bien. Hop, hop, bon, on commence tranquille, hein. De toute façon, je pense faire une seule maison avec vous, puis après ellipse, et puis j'en claquerai bien plein, et puis encore, je vais faire des ellipses, parce que avec la maison que je vais faire, elle va être assez badass, honnêtement. Ça, c'est juste un ponton que je suis en train de faire. Après, on va commencer la maison. C'est comme ça là. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Là. Un escalier. On
Bon, une speed. Comme ça, comme ça. Ah non, vous savez quoi, ça on le fera pas. On le fera en dernier. Bon, sinon on va commencer tout de suite la baraque. Parce qu'on va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc on va en faire 3. Donc on va commencer. De toute façon, on va commencer à cette hauteur-là. Donc celui-là, c'est juste une délimitation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que va être assez long? Non, plus long là, quand même. 3, 4. Oh, puis allez, un de plus comme ça. Ouais, après j'espère que pour le toit ça fasse un peu... ouais non, de toute façon non, on peut pas, ce sera pair, donc on va pas faire comme ça. À moins qu'on, là on fait une, 2, 3. On fait 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Je sais pas si ça rendra bien aussi. Parce que ça finira pas. Parce que ça tombera là le middle. Oh, allez, vas-y, on va faire comme ça. Une... Hop. 2, 3, 4. Vraiment, pour cette série-là, vous attendez pas à voir un épisode par semaine ou quoi. Hein, ce sera vraiment le temps parce que vu toutes les tonnes de trucs que j'ai à côté encore à faire, il y a Holy Cube. J'ai plein de... J'ai masse de vidéos upload, franchement, quand je vais dans ma galerie des captures, c'est un bordel, mais inimaginable. Qu'est-ce que je voulais faire? J'aurais bien, en fait, fait comme ça. Parce que là, c'est normalement... Attends, si on... Ouais, si on passe... Ou j'aurais même fait en saut peut-être. Ouais, franchement, si on n'y est pas encore, hein, je vais juste faire le ponton comme ça. On verra ça après. Bon, sinon ça. On va mettre tout d'abord... Cobble. Tout autour. Hein. J'en mets un peu mon bordel, de toute façon après ce sera cassé. Salut le gars sur le live, salut, bienvenue. Parce que j'ai la page du live à côté. En même temps, si vous, des fois, vous voyez que je sors pas de vidéo et puis vous voulez passer, si vous avez envie de voir, je sais pas, si vous avez envie de me voir jouer, bah, tout simplement passer. Hein, allez sur mon Twitch, je suis quasiment tout le temps live. C'est quoi le titre? Ouais, en fait, moi j'en ai, le gars sur le live, ouais, j'en ai moi. Mais là, je peux pas te faire voir, là je suis en vidéo, donc si tu veux, je te les ferai voir quand j'ai fini de tourner ma vidéo. 1, 2, 3. 3. Donc je pense faire une ellipse pour, ben, comme d'habitude, pour faire tout l'ossature, enfin l'ossature de la maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, tous les poutres en bois et tout, comme d'habitude, quoi, une petite ellipse pour ça. Et puis on se retrouve juste après, donc moi, je vous dis à tout de suite. C'est bon, j'ai fini tout ça. Donc on va commencer, je vais d'abord vous faire, enfin l'ossature comme vous pouvez voir elle est pas comme avant, parce que c'est une nouvelle maison que j'ai créée tout à l'heure en créatif, honnêtement, à l'envoi du steak elle est pas mal, quand on regarde là, on peut pas vraiment se projeter, ça pue un peu la merde, parce que d'habitude moi la poutre ici je la mettais pas là, je la mettais là, celle-ci je la mettais là, et là comme vous pouvez voir il y a deux poutres, il y en a une là et une là, et vous allez voir à la fin ça donne un putain de résultat. Donc je vais montrer déjà une fenêtre comment que ça donne. Ouais, non, c'est pas comme ça. Je vais dire, ah bien, monsieur Gouri. Je vais aller voir le seum. Donc, une seule fenêtre, c'est comme ça. Et quand il y a tout, honnêtement, on s'envoie du steak.
Ensuite, là derrière, je mets de ça. Ensuite, de ça. Et de ça. Donc là, je fais ça. Ça. Ici, barrière, barrière. Là, je suis con, c'est pas comme ça. Ici, ici. Et puis une torche là, bref, ça c'est une fenêtre, comme ça. Le toit, on va changer un peu, ça va pas être comme d'habitude, vous allez voir. Donc, on va faire... je vais vous montrer la fenêtre à l'étage au-dessus, elle sera comment. Donc la fenêtre à l'étage au-dessus, là en fait, je pourrais faire comme en bas, donc faire cette partie-là. Mais après ça fait trop de bois et il faut une bûche au moins pour séparer. Je trouve que ça fait mieux avec une bûche. Donc là on fait pareil. Derrière. Ça. Voilà comment ça va être. En gros. Avec des boutons sur toutes les poutres. Là, des barrières. Comme ça, partout quoi. Donc je fais une ellipse, je fais toutes les fenêtres et puis on se retrouvera pour le toit, tout ça, puis on se laissera là pour le premier épisode. Après je referai peut-être une ellipse et puis on se retrouvera quand j'aurai fait tous les quatre maisons pour vous voir un peu ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà un peu le résultat avec toutes les fenêtres. Comme je vous ai dit, c'est pas fini. Là, faut encore les barrières, j'ai oublié. On va laisser un peu la nuit, je vais retourner là. Hop. Bon. Maintenant, torche. Bouton. On est parti. Là le truc de cobble on finira plus par le voir, hein, passons par la suite, hein, je vous le dis clairement. Là vous le voyez mais après on le verra plus. Parce que je vais tout simplement rajouter de la grande rangée de grâce, de terre quoi. Donc on le verra plus. Torche encore au deuxième étage. On fait la même pour les boutons. Et je vous fais voir un peu pour... Je vais bien mettre mon casque, je suis en train de me fracasser l'oreille mais d'une violence. Là. Hop. Je vais vous faire voir comment qu'on fait le toit. Bien, ça, je sais pas si ça ferait mieux comme ça. Ouais. Hop. Là il faudra que j'ajoute un truc. Ici, on rajoute des torches. Oh, ça va faire bien. Hein. On arrivera sur le bouton. Donc maintenant la porte on va faire. Non, les boutons. Si j'oublie les boutons, on est pas dans la merde. Les boutons en même temps, comme ça rappelle un peu la cobble qui est en bas et ça va rappeler surtout le toit parce qu'il va contenir de la cobble. Oh, je vais mettre un beacon après, je vais m'en mettre un là parce que ça me saoule de boire ça dure qu'une minute trente en deux et puis comme ça me libérera un slot. Donc normalement si cette maison là vous voulez la reproduire hein, chez vous, vu que j'ai fait étape par étape, je vous ai montré l'ossature comment que j'ai fait, si je vous ai montré sur une fenêtre du bas, une fenêtre de haut, normalement si vous êtes un petit peu intelligent, si vous êtes, pensez que pas, il y a moins que vous réussirez à le faire. Donc, voilà quoi. Je
Je vous montrerai après le toit, donc ça sera complète. Si vous voulez la refaire, normalement il n'y a pas de problème. Donc pour le toit, déjà on va prendre. Bah, vous prenez vos planches et vous faites le carré comme ça, un carré comme ça. Parce que ça avec les escaliers ça bug toujours cette merde. Vous faites ça. Vous avez vu au début l'ossature a pu un peu la merde, puis après au fur et à mesure de changer, de construire les fenêtres tout ça, ça commence à faire bon, à faire beau je veux dire. Donc là vous faites un carré hein, comme ça. Voilà, si tout se passe bien, il vous reste que les bouts qui ressortent. Donc maintenant, cobble, comme ça. Ça et ça. Voilà les matériaux qu'il va vous falloir pour faire le toit. Donc là vous faites ça, ça. En fait sur les piliers vous allez mettre un escalier, ensuite des dalles. Hop. Et là à la fin vous faites ça. Ici là vous faites pas. Ah bah non en fait je suis con parce que là. Là en fait il aura pas fait. Faut pas le faire ça ici. Et en fait je ne me rappelle plus, c'est pas la même maison que j'ai fait en créatif, parce que sur la maison en créatif elle était belle mais j'avais oublié de faire la porte, du coup ça faisait. Ah ouais. Ouais, j'espère que ça rendra aussi bien sur le toit. Parce que là, ça va pas être tout à fait le même toit du tout. Bref, c'est pas grave. Vous commencez à en faire 3. Hein. Donc là, vous voyez un escalier, deux escaliers. Vous en mettez jusqu'à 3. 3, voilà. Ensuite, vous remettez un escalier à l'envers. Ça, ça, escalier. Ça change pas. Escalier, bloc, escalier. Jusqu'à arriver au middle. Oui, je me suis gouré. Le milieu, il est là. Le prochain il est au middle, donc pour le prochain, pour bah, le dernier vous mettez une dalle, une, deux de haut, un truc comme ça. Et là vous faites la même chose de l'autre côté, donc comme je vous ai dit, quand c'est honnêtement fort la musique là parce que je m'entends même plus parler. Et la musique comment qu'elle est fort pourtant les cas 4%, putain, j'entendais même plus parler avec cette merde. Bien saoulé ce salope. Alors les ton invitation je les mets dans le cul. Hop, donc là vous faites la même chose. Qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai combien de litres dans le sang là? J'ai combien de grammes, mais c'est pas grave. Bon, Fox, il peut plus jouer, ce fils de pute. Moi, ça... Oh, comment ça fait longtemps que je suis pas déco? Ah ouais! Parce que, attends, la plaie doit être bouillante. Oh, je touche ça. Normalement, c'est un barbecue. Hein. Ouais, bien ce que je pensais. Parce que bah là, enfin moi pas, il y a plein de gens qui se sont fait DDoS là par les Earthquake, ils recommencent c'est pas le train, du coup laisse tomber depuis 8h du mat, je me suis pas déco. Derek quand Fox m'a dit ça, il arrêtait pas de bugger, il arrivait plus à jouer. Très bien, je suis pas déco plus. Du coup je suis plus déco. Donc voilà un peu comment que ça va donner, le toit. Donc je fais vite fait une petite ellipse, je fais la même chose là en face. Après je vous fais voir un peu comment qu'on fait le toit, puis après je refais encore une ellipse, puis ce sera la dernière, puis on se laissera là, après pour la fin. Donc, ah, tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini, donc en même temps il y a chacun qui m'a rejoint, il m'a demandé, enfin je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, il m'a dit oui. Du coup il fait ça, tranquillement. Donc, maintenant, de toute façon il n'y a rien de difficile, hein. Vous faites ça, bon, vous partez sur toute la rangée, hein. Bon, vas-y, je vais le faire aussi, de toute façon, je sais pas, faut que je le fasse, donc on va partir sur toute la rangée, allez c'est parti.
Oh. Deuxième, en fait. Bon, vas-y, je vais l'essayer, il va vite. De toute façon, il a pas les droits. On a combien là? Une, deux, ouais, six, trois, c'est bon. Hop. Hein, là c'est un bloc de cobalt, du coup vous mettez une rangée de blocs de bois. Ce n'est pas compliqué. À part là, au lieu d'en mettre deux là, vous allez juste en mettre une. Donc ensuite, sur tout ce que les trucs que vous avez fait, vous mettez des escaliers. Comme ça. Je vais voir un côté, hein. Après je fais ellipse, puis bon, on fera la même chose de l'autre côté. C'est déjà fini, putain. Bon, je fais ellipse, je mets un beacon. Bon, très bien. Hop, non, lui c'est à moi, il a déjà assez vu. Hop là, tu vois, comme ça il va regarder. Voilà. Ça c'est un côté. Et là en fait, comment qu'on fait déjà? Ça va être 1, 2, 3. Attends, je sais plus si c'est comme ça. Putain, je sais plus. Ouais, si, ça doit être ça. Oh, je sais plus. Merde. Comment que j'ai fait là? Au moins que c'était comme ça. Wow, vas-y, 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 c'est quoi leur bruit là? Eh gars, je les connais même pas gros, ils se ramènent à 258 dans ma partie là. Ouais, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 4. Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça. Comme ça, je crois. Ouais, parce que on peut pas mettre, genre, si vous mettez une dalle comme ça, et voilà, le demi-bloc, vous pouvez pas mettre un truc, ça fait ça, c'est con. C'est con. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Puis là, comme ça fait moche, hein, donc... Ah bah non. Non, j'allais dire un autre truc, mais non, on peut pas. Donc, je sais plus comment que j'ai fait sur l'autre maison. Je sais que ça rendait bien. Me demandez pas comment que j'ai fait, je m'en rappelle plus. Bah si, je crois que j'ai mis ça, en fait, tout simplement. Ouais, si, voilà, j'avais fait comme ça. Bon, ça fait toujours moche. Bref, c'est pas grave. Donc voilà un peu un côté du toit. Donc ensuite je vais vous faire voir l'autre truc ici. Donc ici vous faites une grande ligne de cobble, c'est comme ça, pas, ouais, c'est une grande ligne de bûche comme ça. Là ensuite vous prenez le centre, vous le montez jusqu'en haut. Voilà, ensuite là vous allez calculer 1, 2, hop, bien, vous faites une séparation comme ça.
On va calculer tous les deux, 1, 1, 2. Voilà. Donc là par contre on va... je vais mettre ça, je l'ai mis là, voilà, comme ça on continue au-dessus. Oh. Oh, non, parce qu'après il va y avoir du toit ici. Voilà un peu le truc, ouais c'est ça. Et là ce que vous allez faire en fait, vous allez mettre des escaliers comme ça. Comme ça. Enfin après moi je dis ça c'est si vous voulez le faire, hein. Si vous voulez pas la faire, vous regardez juste comme je fais, puis c'est tout. Là ici, hop, et là normalement il y a un bloc qui restera comme ça, c'est normal. Parce que c'est le toit. Hop. Là ça sera un bout de toit là-haut, hein, sur le trou. Aussi là aussi, hop hop, là ici, torche 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 torche, barrière, bouton, là vous faites ça. Un peu à côté du toit, donc regarde un peu la maison de face. Vous voyez quand même qu'elle est pas mal, hein. Quand je vous dis au début l'ossature, on part pas avec une ossature de fou, mais vous pouvez regarder déjà, hop, c'est une côté terminé, hein, là déjà. Donc voilà un peu le travail. Donc je refais la dernière ellipse, je fais l'autre partie et ce sera la dernière ellipse, et puis on se laissera sur ça. Moi hors caméra je ferai les deux, les autres. Puis après je vais tout de suite aller tourner prochain épisode ou sur les autres, je sais pas, moi je reviens. Donc moi je vous dis bah il est tout simple. Donc voilà, j'ai fini. Oh, je viens de remarquer un petit truc. Déjà ça. Deuxième petit truc oublié. Ça. Ça, je sais pas si ça ferait mieux avec des en cobble. Parce que ça pourrait aussi rappeler le toit de la maison. Ouais non, je vais laisser des stone slab. Donc voilà un peu la maison, donc franchement c'est joli. Ouais. Bon, j'en suis assez fier pour ma part. Ah ben non, mais qu'est-ce que je dis, c'est pas fini. Oubliez quelque chose. Bon, déjà ici on va faire comme les fenêtres. Ça. Pas se faire chier, un truc tout simple. Ça. 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 Ici une slab, je serai allé bon le bêche, là de la laine, ici une barrière, là ça fait comme les fenêtres, hop hop, ouais mais non, faut mettre là de la laine,
Ou je sais pas en fait, j'hésite à mettre ça ou des planches. Enfin, en bas je vais mettre des planches, c'est quoi? Ou non, je vais mettre de la stone brick. Ouais, voilà. Et tout simplement ma porte, ils sont où les portes là-dedans? Donc voilà la baraque un peu. Franchement, j'en suis assez fier. Donc je vais en refaire 4 ici. Ce sera peut-être les mêmes. C'est qui l'autre? Putain, lui, c'est... Oui, il fait que Roland que de quitter. Donc ce sera peut-être les mêmes, peut-être pas les mêmes, je verrai bien. Mais je pense que ce sera les mêmes. Ça doit pas être comme ça. Hello. Je me rappelle d'un truc aussi que j'ai oublié. C'est mettre de la glowstone. Ici. Ici. Bon bah allez, moi je vous dis à la prochaine les gars. On se retrouvera pour le deuxième épisode. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de rythme prévu, genre un par semaine ou quoi. Donc ce sera un quand j'en vis. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.